manger sainement. Pour vivre longtemps et rester en bonne santé, vous devez manger des fruits et des légumes. Si vous ne le faites pas, voilà à quoi ressembleront vos corps dans quelques années. Je me sens épuisé en permanence. D'accord, c'est compris. Je vais ajouter du sirop d'érable. Non, pas de sirop, t'es stupide ou quoi? Tu vois, cette pomme, elle est riche en sucre naturel. En parlant de pommes, je vous ai déjà raconté l'histoire du type avec le chariot de pommes. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, il y a un type qui a décidé de garer son chariot de pommes devant chez moi. Tu veux que je te râpe de la noix de coco sur ton assiette? Oui, volontiers. Sers-moi un supplément de noix de coco. J'en peux plus de toujours manger la même chose. Je déteste les noix de coco. C'est immonde. J'en mangerai plus jamais. Plus jamais. Oh, diable, les noix de coco. Grâce à ces blousons et à ces pizzas, j'ai l'impression d'être le roi. Hey, on devrait tous se faire tatouer pour célébrer comme il se doit cette belle journée. Ah oui, cette journée restera gravée à tout jamais. Genre, waouh, y a rien de meilleur. Un sandwich triple niveau, sardines, tomates, confiture. Pas mal, mais c'est rien à côté de mon quadruple triple niveau tout végétarien. Vous trouvez que c'est un grand sandwich? Je peux en manger un qui fait ma taille. Un sandwich de 2m10? C'est impossible. Ah bon? Oh, j'ai le mal du sandwich. C'est trop pour mon bidon, mon pote. Comme c'est triste. Bon, je vais dribbler par là. Drip, drip, drip. On va faire passer ça avec un soda glacé. Merci. On reste pas là! Pas la crème de noix de coco pour la route? Non, ça va aller. Peut-être plus tard, je t'en garde une part. Ma bonne tarte à la noix de coco. Est-ce que je t'offre un hamburger? Ou que dirais-tu d'un délicieux burrito? Pour le prix d'un... C'est gratuit à l'infini! Je sais pas toi, mais moi je mangerais bien... Une part de tarte. Comment t'as deviné? C'est mon métier de deviner ce genre de choses. Et moi aussi j'adore les tartes. Quand je dis je veux de la, tu dis tarte. Je veux de la tarte. Je veux de la tarte. Quand je dis manger, tu dis tarte. Manger tarte. Manger tarte. Pomme ou rhubarbe, pêche ou quoi? Où sont-elles passées? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour les tartes les amis. Oh, oh, c'est trop dégueu. L'équipe qui aura mangé tous ces insectes aura gagné. Moi, je m'y refuse. Ces bêtes sont pleines de protéines, de vitamines et de fibres. Durant des siècles, l'homme a survécu grâce aux insectes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un curry à la noix de coco. Et je crois même encore un petit miam. Pas de miam. Mon curry. Mon curry. Pourquoi? Ça, c'est pas de la survie. Ça, c'est de la survie. Alors, quelques petits asticots avec mes cloportes, un petit grillon, très bien. Je me lâche. Protéine pure. Oh, allez, allez, dépêchez-vous, asseyez-vous. Non, merci, ça va. Ça en fait plus pour nous. Et dire que depuis le début, elles étaient là sous nos yeux. Des patates! Oh, elles sont tellement meilleures que ces infâmes noix de coco! Une fois en bouche, c'est une véritable explosion d'essence! Je vous parie qu'elles pourraient être encore meilleures en purée! Oh, vous avez vu, il y a des dinosaures. On les a vus, oui. Mais pour l'instant, on est concentré sur les patates, hein? D'accord, je voulais seulement être sûr.